Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en très très bonne santé. Je me présente d'abord, je m'appelle Zaha Askour, je suis étudiante en deuxième année Master MQSA, Management de la qualité et sécurité des aliments à la Faculté des sciences et techniques de Mohammedia. Dans le cadre de notre journée qui porte sur le thème sécurité alimentaire, santé de l'avenir, j'ai choisi de travailler sur un sujet très intéressant et d'actualité intitulé Impact de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc ici, je vous présente la structure complète du poster que j'ai réalisé sous l'encadrement de Monsieur Hamid Khiari. On passe maintenant au détail. Premièrement, introduction. L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition était déjà alarmant avant la COVID-19. En 2019, on estime que 2 milliards de personnes dans le monde n'avaient pas accès régulièrement à une nourriture saine, nutritive et suffisante. Il s'agit d'un scénario alarmant sans prendre en considération les impacts potentiels de la COVID-19. La pandémie COVID-19 a eu de profondes répercussions sur la sécurité alimentaire et la nutrition de manière directe à travers ses impacts sur l'offre et la demande et indirectement à travers une réduction du pouvoir d'achat, de la capacité de production et de la distribution de la nourriture. Ces impacts seront ressentis le plus fortement par les pauvres et les vulnérables. Ces gens-là ont moins de ressources pour faire face à la perte d'emploi et revenus, à l'augmentation des prix alimentaires, à l'instabilité des disponibilités alimentaires. Et donc, ils n'ont pas la capacité d'adaptation à cette crise sanitaire mondiale. Les figures suivantes vont nous illustrer les impacts de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté dans le monde s'est augmenté et la plupart se trouvent en Afrique et en Asie du Sud. Pour ce qui a impact sur la nutrition, la COVID-19 a provoqué une détérioration de la nutrition par un changement majeur des aliments les plus nutritifs, comme les fruits et légumes et les produits animaux, vers des aliments moins chers mais moins nutritifs, comme les céréales et les produits à prix bas. Donc, qui dit COVID-19 dit confinement. Et ces deux figures illustre l'évolution du PIB sectoriel pendant la période de verrouillage en Nigeria et en Myanmar. On constate qu'il y a des effets négatifs et des impacts plus importants dans les segments à forte densité de travailleurs. On peut donner l'exemple ici aux restaurations modernes qui dépendent de la main-d'œuvre des salariés. Les impacts sur l'agriculture sont un peu moins graves, car de nombreux petits agriculteurs dépendent de la main-d'œuvre familiale. La COVID-19 affecte la sécurité alimentaire et la nutrition des personnes pauvres beaucoup plus fortement que celle des personnes plus riches. L'exemple dans cette troisième figure est donné depuis l'Éthiopie, qui présente deux façons dont la COVID-19 affecte les pauvres. Tout d'abord, par les fortes baisses de revenus qui sont plus probables pour les ménages pauvres que pour les ménages les plus riches. Aussi, les ménages urbains réduisent leur consommation de produits laitiers et de légumes, et cet effet est toujours plus fort pour les ménages les plus pauvres que ceux qui sont riches. Donc, ce sont en gros des exemples des grands effets de la pandémie COVID-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Voici ici quelques recommandations données par le groupe d'experts à haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour minimiser les impacts négatifs de la COVID-19. Les gouvernements devraient donner priorité aux plus vulnérables et touchés par la COVID-19, car ces gens-là ont besoin d'aide et de soutien. Elles devraient aussi encourager la production alimentaire locale et minimiser le gaspillage alimentaire. Encourager les exportations alimentaires pour protéger les pays qui dépendent des importations alimentaires. Il faut aussi veiller à faire une collecte et un partage de données pour soutenir la recherche des impacts de la pandémie COVID-19 sur les systèmes alimentaires. Donc, pour conclure,
La pandémie COVID-19 est susceptible de créer un fardeau plus lourd pour les pays les plus pauvres, qui connaissent déjà des crises alimentaires et qui ont besoin d'un soutien financier international pour pouvoir dépasser ces crises. Nous avons les outils et le savoir-faire. Nous avons besoin d'une volonté politique et d'un engagement soutenu des dirigeants et des nations. Il est temps pour faire l'action.